Mon nom est Kim Lavoie. Je suis professeure au département de psychologie à l'Université du Québec à Montréal et ainsi que co-directrice du Centre de médecine comportementale de Montréal. Le but de mon programme de recherche, c'est vraiment de comprendre le lien entre le stress et les habitudes de vie, telles que le tabagisme, l'alimentation, l'inactivité physique et le développement et progression des maladies chroniques, surtout des maladies cardiovasculaires et respiratoires. Le but ultime de mon programme de recherche, c'est vraiment de développer des interventions afin d'aider les gens à mieux gérer ces facteurs-là et pour améliorer la santé de tous les Canadiens. Je pense que j'ai développé un intérêt pour ce domaine très jeune. Je fais de l'asthme et j'ai remarqué à peu près autour de l'âge de 9 ans vraiment un lien entre le stress et le déclenchement de mes crises d'asthme. Alors, à titre d'exemple, j'avais toujours des crises à chaque année, la veille de Noël, avec l'anticipation du Père Noël. Et c'est vraiment depuis ce temps-là que j'ai développé une curiosité pour mieux comprendre le lien entre le psy et le corps.